Cas qui c'est et un conseiller président Jovenel Moïse et nous connaît qui toujours prend position et les que et gain attaque qu'a fait sur pouvoir ça et nous connaît Stanley Lucas qui ça me suis pesé dans question donc politique dans pays d'Haïti. Et ben je dis à là monsieur est démantibilé opposition hein? Et nous connaît président Jovenel Moïse gain pour le faire élection 19 septembre qu'a venir là et gain référendum 27 juin dans mois ça même. Et qui va gagner référendum et opposition à camper en quoi devant président Jovenel Moïse pour question référendum ça pas possible et qui c'est ça qui va jodi à là en pile bataille bandit face bandit et gagne en pile information qu'a fait connait que ben négotaka il a bouleversé pays à une façon pour référendum non pas fait. Mais malheureusement président Jovenel Moïse pas fait bac et pas baisser les bras j'ai toujours dit la décision le prend yo et bien référendum nan a continué fait 27 juin cap venir là pour tout le monde et bien albay participation pour et constitution lui-même li changer et puis la question insécurité a gang cap bataille vi retourner par ci par là et nous va l'inviter autant de tout réaction Stanley Lucas et bien monsieur fait gros déclaration qui vous parle saisi tendez détail qui gagne dans la République. Restez connectés sur vidéo, ça n'a pas oublié. Ou sur Machin de la Kari. Donc, son plaisir pour nous avec vous, pour nous porter information ça ou pour. Salut, Louko. Moi, salut, Lexidor. Et à tout et puis tout auditeur. Donc, quoi que débat, quoi faire là, qui a un rapport avec l'avenir du pays. Et c'est là pour nous passer, pour nous bâtir un avenir pour la jeunesse, un avenir de richesse, un avenir de travail, un avenir de sécurité. Ça que dit matin qui est important, c'est que nous avons un système. Système que nous la donnons, les grandes organisations économiques, les grandes organisations politiques, les grandes organisations sociales. Et système ça la pas pauvre majorité a pendant que la enrichit en minorité. Responsable un politicien c'est pour changer système là en faveur peuple là. Et c'est ça l'exidote a saut dit là ou saut dit tout. Déjà qui tout dit. Pour changer système là en faveur peuple là, faut que en dans société a gain des groupes monde et c'est pour ça parti politique yo doit exister et c'est rôle en fonction de l'idéologie que vous croyez là-dedans, c'est venu avec un plan pour craser le système là, pour que chaque monde qui est dans la société, qu'on grand nèg ou respecte les jouets là, qu'on classe moyenne ou respecte les jouets là, qu'on classe majoritaire ou respecte les jouets là, mais tout le monde est chanceux dans sa partie politique là. Système que nous gagnons là, qui j'en organisé économiquement, et c'est ça dans Jean Paul Jacques qui tout expliqué là. Pour société panou en marché, pour que jeunes, femmes, machins Sarah, paysans, socio-professionnels, bourgeois qui pas dans volé, qui a investi, qui a fait comme normal, mais qui a investi dans la société, pour nous tout réussir, qui ça, et qui système que nous devons monter? Nous devons monter un système qui a produit richesse. Pour voir du richesse là, et pour tout le monde qui a une chance dans la société, côté pouvoir faire comme, classe moyenne a fait comme, balayer a fait comme, faut que nous investissions dans la production pays. Je me suis fait le diria. Ou pour du diria en dedans pays, ou vendre du diria en dedans pays, ou acheter du diria en dedans pays. Ou faire même bagaille pour tout l'autre produit que le peuple a commencé à consommer. Pas qu'à une économie nationale, sans nous pas produire ça, peuple à consommer. Nous avons le bon chiffre simple ou court pour comprendre. Nous voyons acheter à l'étranger depuis 25 ans, 30 ans, fait là, pour 4 milliards 500 millions de dollars américains chaque année. Chaque année, nous voyons l'autre bord 4 milliards 500 millions de dollars américains que nous pas gagné à l'acheter manger, à l'acheter ça, nous consommer l'autre bord. Attendez l'autre chiffre en loco. Dans 4 milliards 500 millions de dollars américains que nous voulons acheter l'autre bord de l'eau, 90% là-dedans, nous avons fait dans le pays. Donc, le système que nous avons, et notre système là, qui est oligarque corrompu, nous avons contre la production nationale. C'est eux-mêmes qui marient avec les politiciens populistes,
capable craser système de production nationale noire et système de protection que production nationale la gagne. Nous va craser production et sucre rouge à sucre blanc que nous te fait. Donc nous commander là à l'étranger pour l'IA. Il va craser production du riz. C'est 53% de taxes en 1995 sous du riz étranger. C'est ça qui permet que tout le monde dans le pays, c'est du riz Latibonite, du riz Lourdes, du riz Saint-Raphaël que nous avons mangé. Qui sa politicien, Anacropoulos fait, il a retiré tout pourcentage de taxes qui étaient sous du riz étranger, il a quitté seulement à 3%. Il a crasé la production nationale. Là. Pendant qu'il a fait ça à Louko, il y a 400 millions de gouttes dans le budget national là, chaque année pour VA, il y a retiré. Qui est-ce qui fait ça? Bourgeois oligarque qui veut l'acheter à l'étranger, qui a un monopole commercial là, avec un anarcho-populiste qui est associé avec lui. Oui, mais d'accord tout que bourgeois, en fait, il n'y a pas qu'à faire le bougonté sans une complicité internationale. Et Jacques Chauvin se dit là comme sénateur de la République, regardez ce qui passé avec l'ancien président américain Bill Clinton. Lui campait ouvertement le dos que devant la presse internationale, lui présentait excuses avec Haïti et il dit qu'il regrette de contribuer à ce que je dis, hein, donc l'écraser l'agriculture là. Mais pas aucune autorité haïtienne qui au moins fait intervention sur ça. C'est pas vrai. Ou même qu'a fait politique, ok? Ou sont experts dans l'analyse des questions politiques, yo. Il y a un premier élément, ni ou même, ni ta, ni l'exidor qu'on est, dans tout pays du monde, toute politique est d'abord locale. Okay. Même aux États-Unis, là, Yabdou, toute politique est d'abord locale. C'est parlementaire 45e législature, hein, qui était dominé par les anarcho-populistes, qui était retiré taxes sous du riz étranger, et pas Clinton qui était retiré. Et c'est pour ça, nègre, son bagage qui est trop facile, nègre toujours bay blanc responsabilité. Ok? Même Jean tout, et son bail Maurice Jean-Charles répété tout le temps, vote qui te bail étranger, gestion 10 milliards ou reconstruction pays, c'est ton vote que Maurice Jean-Charles te fait, il te dit c'est ton vote politique que te. Mais que pas blanc assumer responsabilité, y a dit blanc responsable. C'est pas blanc qui te quimbe, mais député à sénateur pour aller retirer taxes ou dire étranger, pour qui ça? Parce que à l'époque, sénateur, député Lavalas, t'as fait comme dans du riz la paix. C'est eux-mêmes qui t'ont importé du riz. Faut nous dire, peuple, à la vérité. Donc, je dis là, qui ça fait économie dominicaine n'a pas marché? Qui ça fait économie américaine n'a pas marché? Parce qu'il y a la production nationale, il y a la consommation nationale, et il y a le pouvoir d'achat national. Et c'est ça la Chine a fait couler. La Chine, t'es une économie qui était basée sur les exportations. La Chine a viré l'économie en direction de production et de consommation nationale. Donc, sauf les gens qui dans 10 départements géographiques pays, rester dans le pays, vivre dans le pays, bien mener dans le pays, nous devons camper l'importation. Mais oligarque qui est là, ils ont tellement fait un paquet de coups depuis 30 ans dans l'importation et dans piller l'État, oligarque ça, et c'est la même raison avec vous. Yo maré saucissio, on sait des petits groupes politiciens qui ont bail miettes, 6 miettes dans sa volé, pour politiciens accompagner dans volé. Avec que les oligarques là, fait 100 millions de gouttes, ils bail politiciens 1 million de gouttes, tout chaque 100 millions de gouttes que le fait. Donc c'est système ça. Et tout comme on pour empêcher de changer le système nan, avec nouveau constitution. Tout comme on pour avec gang qui est financé pour mettre insécurité par le et permanent. C'est là-dedans qu'il y a, parce que l'on regarde le système là. On regarde côté nèg yo volé, en plus de l'importation qui a volé là-dedans, depuis, nous sommes trois chiffres d'importation. 4 milliards, 500 millions en 10 ans, ou est combien de baou louko? Oui, mais, on d'accord tout, Sande. C'est pour moi qu'a facilement, qu'une cache changer facilement, parce que là, on va parler de système. Qui j'en a fait? Louko, regardez. Son combat d'allié, son combat d'allié. Le système n'a pas facile pour changer. Dans 4 ans, violence que nous vivons là, nous ne pouvons pas vivre. Ce système n'a. Et Mbraldou, pour qu'il y ait un système n'a non seulement campé en face, la finance et gang, pour que le système n'a pas changé. Mbraldou, 2-3 chiffres pour comprendre. C'est pas si quoi, non?
On prend trois chiffres seulement. On prend un chiffre dans le dollar, on prend un chiffre dans le produit pétrolier et on prend un chiffre dans l'électricité. On garde dans l'électricité. Mais il fait 300 millions de dollars américains par année pendant 13 ans. Il y a un total de 3 milliards 900 millions de dollars américains en 13 ans pour 4 heures de courant dans Port-au-Prince. 3 milliards 900 millions de dollars américains en 13 ans pour 4 heures de courant dans Port-au-Prince. Vous pensez que vous avez le système ça a changé? On entre dans le produit pétrolier. Vous avez volé trois côtés. Premier côté, à même le côté, c'est pas qui a fait tout cheveux dans la tête, tout monter dans le fusil. Vous avez commandé gaz que nous consommons chaque mois à un prix qui est le prix place bon marché. Vous venez revendre l'Italie à un prix qui est plus cher que les Caribéens postings. Dans l'opération, ça, vous faites 40 centimes par gallon. 20 millions de dollars américains par mois, 240 millions de dollars américains par année, 2 milliards 400 millions de dollars américains en 10 ans, ça ne va pas lever l'eau, ça ne va pas lever les jets. Pour l'autorité de l'État qui vient, l'autre jour là, elle couvre ça. Mais il va en rien d'ailleurs, mais combattre pour tout. Deuxième côté, vous volez dans le gaz là. Mais vous devez faire 11 centimes de bénéfices par gallon de gasoline. Mais vous montez une raquette qui est la structure des prix, mais vous volez 64 gouttes. Chaque fois, peuple achète ton galon. Non, mais on voit ce système normal qui t'a changé. Toi. Mais c'est ça, mais d'où que c'est mon bagaille qui va le changer facilement parce que le système que l'on parle de l'IA là, il est très puissant. Et ça, c'est ça, Mdabzo. C'est ça, oui. Je suis d'accord avec vous. Troisième côté, et dans le gaz, au volet. Sous 145 milliards de gouttes de subvention, l'État n'est que pour 80% là-dedans. On prend troisième côté, parce que nous n'avons pas de temps pour nous remplir le monde qui vous parle. Oui, tout compris pour nous, mais oui. Troisième côté, on a fait dollar, côté négio pillé nous. Sous chaque dollar que négio est changé de dollar à goutte, négio devrait faire 3 centimes de bénéfice sous chaque dollar. Négio va faire 3 centimes de bénéfice sous chaque dollar. Négio fait entre 8 et 15 gouttes sous chaque dollar. Qui changer. Dans l'opération, ça en 10 ans, je volais 200 milliards de gouttes de peuple et diaspora. C'est pas ça seulement, non? Les nègres ont besoin de faire plus profit malgré tout comme ça qu'ils ont fait. Ils ont dévalué gouttes de 26%. Et soit le prend interview gouverneur Banque Centrale l'a fait en janvier qui s'est passé, à me expliquer ça. Il est disponible sur Internet. Là. De avril 2020 à juin 2020, mais vous dévaluez gouttes de 28% pour deux raisons. Première raison, pour vous faire plus comme. Deuxième raison, pour vous mettre instabilité politique. Comment vous mettez instabilité politique là? Lors dévaluez gouttes de 28% pendant que vous faites plus comme, phénomène ça fait inflation en montée. Parce que pour chaque 1% de dévaluation gouttes, vous montez la vie chère de 0,82. Avec que pour 28% dévaluation de gouttes que vous faites, il y a monté inflation, donc la vie chère de 25 à 26%. Ou imaginez, on va pas acheter pain, on va pas acheter banane, on va pas acheter tout ça, on va pas acheter l'huile dans la ria, et puis l'augmenter de 26%, la ria prend un petit phénomène. Donc ça veut dire que, n'est-ce qui n'est tel système ça, on le sent mis, qui n'a pas l'idée, qui n'est tel système ça. Mais tout conclut pour nous, Sonné. Et là, on a conclu. Qui ont apartheid économique qui ont mis, côté net, nous dans le pays, femme nous dans le pays, qu'on a classe moyenne, qu'on est dans classe. Majorité à courrier, ou pas de gens riches dans vous, ou condamné pour esclave et pour malheureux. Donc, devant la réalité, ça, système là, il fait comment se mettre comme avec Zamatin pour le système là, va changer. Et pour ça, santé dit à l'air, bon raison, changer système ça, ou t'as une petite minorité qui a. Libre, vous avez deux, trois petits politiciens et anarcho-populistes qui prennent miette peine en main, pour changer système ça, 4 ans qui sont passés à. À violence que nous mettons de façon permanente, ils montrent clairement, dès qu'on est menacé, on peut pas voter pour une constitution ou menacer la manchette. Ça montre au puissant système. Non. Bon, c'est bien, nous, Kébé là. Merci, Bill. Bon, voilà, c'est donc que c'est en Lucas. Bon, ça nous fait un diagnostic de. C'est décrit là tout. Et c'est comme tu as dit, c'est l'expression vivante de l'État défaillant. Oui. Et parce que si. Si on l'état là, il y a des gens dans la tête, il y a des responsables, puis ils croisent les bras, ils quittent tout le bagage qui va passer,
écoutez. Mais c'est ça qui est dans, c'est ça qui est dans politique là. Même si tout à l'heure on a parlé de l'international là. Oui. International là et ça go mais ça va tu dans là, faut tu dans. International là, il faut faire des ordres dans l'état. Il mande toute baganette. Ou même ou dégage au Bali. Même si on va pas d'adoué capable. Maintenant, quand ça va mal, premier monde qui campe en face, c'est l'international. Pour voir qu'on est que, ou face à la responsabilité, ou, et que son responsable ou teye, ou pas qu'il doit faire comme ça, mais qu'il j'ai bouté faire, nous allons dire que, qu'on dimension, que jusqu'à présent, que les chefs d'État pour capable de gagner, donc, l'arrivée dans le pouvoir dans le pays, ou te gars dit Duvalier de gagner. Pour qu'il sache jusqu'à présent, pays, il y a des gens qui parlent de Duvalier. Parce que du temps de Duvalier, qui tout est haïtien, qui tout est secteur privé, qui tout est arabe, ou t'es classé au libanaise, ou t'es blanc, fréquent, comme devant Duvalier. Mais que il te gagne partout. Mais j'en te comprends le pays, et bien il te dirige le pays, j'en te comprends rien. Parce que écoutez, madame, monsieur, la gestion d'un pays, dirigeant le pays, c'est pour moi, comme ça. Regarde ce qui se passe là maintenant. Gon bataille pour changer la constitution de 1947. Sur cette table, madame, monsieur, à l'émission Matin Débat, moi, je me répète, bataille pour changer une constitution du pays, n'est pas seulement un rapport avec Haïtien. Parce que la constitution d'un pays, il y a un enjeu là-dedans, il y a un enjeu économique, un enjeu politique, social et culturel et religieuse. T'as préféré dire du pays, oui, qui est de. Bon, même tout. Parce que pas. Mais deux pays. Moi-même. Écoutez, bon. Tout avenir, écoutez, toute base pays, il y a les chita dans la constitution. Oui. C'est question qui dit qu'il y a pour l'église organisée dans le pays. Oui. C'est question qui vous dit que socialement, qu'il y a un monde de partout. C'est un acte souverain. Justement, c'est un acte souverain. Donc, mais alors, c'est pour te dire que, en 1987, madame, monsieur, c'est comme vous l'avez dit dans lui, en 1987, nous tenons des boches, même si en 1804, nous t'avons fêté, nous tenons des.